organisation. Des rumeurs courent la capitale, comme quoi ce conclave de l'opposition aurait été financé par le pouvoir en place, 3 millions de dollars en avance. Merci pour la question. J'ai effectivement en charge le protocole du conclave de l'opposition politique. J'ai appris ce matin à travers les organes de presse que le pouvoir aurait financé le conclave de l'opposition à travers le président du Sénat, Léon Kingouadondo. Je voudrais ici, parce que c'est moi, comme je le disais tantôt, qui organise le protocole, la sécurité, la logistique. Je voudrais ici signaler que c'est à travers les cotisations des uns et des autres que nous arrivons à organiser ce conclave. C'est moi qui ai organisé l'impression des macarons, les documents et autres, et j'essaie comment est-ce que j'ai fait le tour des différents partis pour avoir un petit rien. Le premier jour, lorsqu'on ouvrait le conclave, on a eu acheté de l'eau pour tout le monde. C'est moi qui ai eu à avoir quelques leaders pour essayer de réunir un petit montant de 250 dollars pour essayer d'avoir de l'eau pour tout le monde. Hier, nous nous sommes battus et tout pour essayer d'avoir un 800 dollars pour avoir des sucrés et des gâteaux pour tous les participants. Et donc, je suis la première personne à être révoltée quand j'apprends de telles insinuations dans la presse. Je comprends que ce sont les ennemis du peuple qui sont derrière pour en fait un peu saboter ce conclave qui est en train de réussir jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler, parce que les différentes commissions sont en train de travailler. Mais vous parlez que de l'eau, mais la location des lieux, le reste de la logistique. Même parler de carburant ou de perdième donné aux participants, tout cela, ça se fait comment? Il n'y a aucun per diem qui est donné aux participants. Les participants participent librement. Il n'y a même pas un transport qui est remis aux participants. Tous sont animés d'une grande volonté. Tous veulent que les choses bougent. Tous veulent que les choses changent. Et donc, c'est l'ensemble des volontés qui fait que ce conclave est en train de réussir. Mais si on avait 3 millions de dollars, vous êtes ici avec nous depuis le samedi. Vous voyez dans quelle ambiance nous nous trouvons. Vous sentez réellement que c'est de l'opposition parce qu'il n'y a rien. Où se cachent ces 3 millions de dollars? Et pourquoi donner les 3 millions de dollars? Vous pensez que toutes ces personnes qui sont ici, et des grandes têtes, la sommité même de l'intelligence du Congo qui se trouverait ici, pour se faire acheter par le pouvoir? Non, ça c'est une très mauvaise langue. Ça, c'est les gens qui sont à court d'arguments et qui roulent certainement pour le pouvoir. Et nous, nous sommes clairs comme l'eau de roche. Les gens qui sont ici, ce sont des gens qui ont décidé à ce que le Congo change, à ce qu'on puisse un jour gouverner autrement. Où a-t-on vu une composante, parce que, au fait, l'opposition politique, c'est une des composantes congolaises. Où a-t-on vu une composante qui ne se mettrait pas en ordre de bataille pour conquérir le pouvoir demain? Parce que tout le monde regarde le dialogue, ainsi de suite. Non. Le conclave ici a été prévu avant que l'ordonnance puisse être signée. Et tout le monde le sait. Donc, si aujourd'hui, au moins pour une fois, on arrive à réunir un bon nombre des partis politiques de l'opposition. Parce que les gens pensent que l'opposition se limite au niveau parlementaire. Non! Il n'y a qu'une infime minorité des opposants qui se trouvent au Parlement. Nous savons comment les élections se sont déroulées. La plupart des opposants ont été éliminés par Ngoï Moulunda et compagnie. Donc, vous verrez ici que la majorité des partis de l'opposition se trouvent ici pour pouvoir réfléchir. Et c'est une mauvaise chose pour la société congolaise. Qu'on dise qu'on a donné 3 millions. Mais oui, donner 3 millions à qui? Et qui débourserait ces 3 millions de dollars pendant qu'eux-mêmes crèvent de faim là-bas de la majorité? Pourquoi vous voulez donner des importances à des individus?
Ici, nous parlons composantes, nous parlons partis politiques. Mais attendez, vous m'avez posé une question, messieurs. Ce sont les délégués des partis politiques qui sont ici. Mais s'il y a, nous sommes combien? Prenons 200 partis politiques de l'opposition. S'il y a 170 partis politiques ici, la majorité, elle est où? La majorité, elle est où? Ce n'est pas parce que tel. Il ne faut pas traiter les affaires de l'État par rapport à des individus. Non. Ici, nous ne parlons pas individus. Ici, nous parlons l'opposition congolaise. Et vous verrez bien que la plupart des partis politiques ici appartiennent à l'opposition. Donc, ceux qui ne se sentent pas concernés, ben, ils n'ont qu'à tirer les leçons. Mais les résolutions qui seront issues de ces conclaves, ben, elles seront appliquées pour ceux qui appartiennent à cette famille politique. De toutes les façons, la porte n'est pas fermée. Si les uns et les autres pensaient peut-être que ça serait un échec, et aujourd'hui vous constatez que les travaux en commission s'effectuent normalement, avec beaucoup de sérénité d'ailleurs, vous allez le remarquer que certainement là où ils se trouvent, ils sont en train de regretter. Donc l'opposition ne dépend que de ces partis-là. Vous voulez dire que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des opposants, et les opposants ce sont ceux-là. Et c'est eux qui tiennent l'opposition. Et c'est eux qui sont les chefs, c'est ça? Ah. Ministre Mende Azali Libre à Koloba, Azali ministre de la communication. Et vous voyez bien que conclave et opposition pour la première fois à l'événement. Nana yebisi yo soka koloba on a litio. Pourtant, moussou bato yo, ba yebite, et ko salamate. Alors, azolo ba on a litio pour yebi ke ko salamate. Mais lelo salame. Pour bozo baga ka, ministre Mende Azali. Mais tant moussou ministre Mende Azali na litio. Pour aller que l'opposition va organiser, va le bagarre, il va mobiliser, va s'arrêter. Et certainement, quand le bateau va se misabrouiller en Bongoana, nous avons pu savoir dans une d'acquis ça. Tant que Benga Ibiso Tokenda, Ibiso va présenter un groupe parlementaire Tokenda na Kampala. Si le bagarre va passer à Ibiso $30,000 na Motomoko, to fundi le Cameroun à parquet. Si ndeko mabanga kuwanga na kofukama, tilelo. Osomona ça, exemple le Cambodja Sony. Bah tata Mikolo est vraiment bah y a côté Kamayele na bango bon moto na bango pendant et puis tant monsieur Subato bah on va créer on va faire 3 millions bah ça peut être un moyen que les gars bisoutent bah ça est un moyen que les gars bisoutent donc ils allent Kamboya Lokuta peuple là na bango te ils allent bato baluki na bango nzela monsieur opposition ils allent libre à côté kala oubli au tika la te yo kolo banini tant que bah opposant bah ils ont réfléchi bah monsieur Subaza soki na Mwanda pendant ma gamba fibre optique ils allent Lokuta. Donc, nous voulons informer à l'opinion nationale et internationale que les partis politiques de l'opposition réunis en conclave depuis le samedi, date d'ouverture, nous voulons informer donc le public que les commissions viennent de clôturer leurs travaux. Et aujourd'hui, les commissions vont adopter les différents travaux en commission. Une équipe a été mise en place pour élaborer le rapport final qui sera adopté demain matin et qui fera l'objet du débat général par la plénière de tous les partis politiques représentés ici à l'IMETE où nous réunissons. Et nous voulons donc dire que demain nous allons adopter ce rapport final et la cérémonie protocolaire de clôture, c'est pour le jeudi. Ceci pour des raisons tout simplement de protocole. Nous voulons donner toute la solennité à notre cérémonie de clôture comme nous l'avions fait à l'ouverture. Et donc les invitations écrites seront lancées à certaines personnalités du monde politique et diplomatique, des organismes nationaux et internationaux. Mais pour nos militantes et militants, ils peuvent venir le jeudi, donc il n'y aura pas de limitation de nombre de places. Ceux qui n'auront pas de place à l'intérieur vont se mettre dans la cour parce que ça sera une très grande déclaration de l'opposition qui est déterminée à donner sa contribution constructive pour que le pays revienne sur les rails. Et nous resterons, vous devez le savoir, dans les fondamentaux que nous avons définis dans notre déclaration du 1er juillet qui a été faite au CEPAS. Et voilà ce que nous pouvons dire à ce stade-ci. Que tout ça n'est pas quoi, mais ça bango que opposition les lots n'est tout ça n'a qui awa na limité na conclave tout s'il y a aussi ça ma cambognon sur la commission sur tout tient qui en place les lots aussi ça rapport final la biso rapport final où on est lobby tout ça là bas débat puisque il faut démocratiser la carte na biso moko moko oyaza na oyako bakisa bakisi
babenga ko amendement en français pe lobby to adopter yango. J'ai dit ce qu'on to bengi ba na mboka nyonso oyo ya ba parti na biso o ba ki ko ya na limité à place to zaliawa na 15e rue ba ya o ba ko zo place na 4 ité ba vanda pe na 4 lopango puisque zali moko monene pour na biso to ko pe sa déclaration na biso esa déclaration monene pour na ko zongisa mboka na biso na nzela mboka za ko tengama il faut zonga na nzela pe opposition de to sanganyawa oyo zali na 4e nation congolaise de ke de liboso abada déjà ko bunga yemoko puisque moko za moko monene yango lobby ezali rapport général beaucoup qui ont participé aux avocats journalistes beaucoup moins d'être au sala tu adopté en gros et puis j'ai dit tu lobby bien bah on a invitation écrite tu es bien qui est ambassadeur bah on a gros tu es bien qui est bah tu me souviens des bah on a gros mais on me souvient bah on a été tu signes bah on déjà libéré bah y est bah que tu ressens on l'indique donc Léo tu l'as malisa ma case de commission tu n'as pas quoi en dougote on y est quoi Kinshasa voilà tout ce qui a saillé comme opposition les fans y a case mzuri sana. Na watu wote wakuje hapa siku ya ine. Kesho tutadopte rapport final yetu. Na tunapenda wote wakuje siku ya ine. Wakue watupatie mikono juu tunapenda inchi irudie mjia. Tutuwa bila bana betu wa mki nisasa. Tuwa jigiji. Tuwa bana benu wa mua opposition. Tundu nulomba mudinai. Nulua walu nenu mwa mwanzu mwimpa. Fumoku opposition wenu. Betu ketu bana bana mboka. Betu me manisa. Benu kuisa, je di yai, sambo opposition na benu, ke pesa message ya ngolo, sambo na insi na betu. Betu ma matondo mingi na benu. D'abord, ça fait rire tout le monde. Nous sommes contents que le gouvernement soit perturbé au point de véhiculer des mensonges comme ça dans l'opinion. Donc, wait and see, c'est le message qui va trancher. Comme ça, vous saurez qui a mangé l'argent de qui. Puisque le message que nous allons donner, ça sera un message qui sera rendu public. Mais je ne voudrais pas vous suivre sur le chemin de la polémique. Nous sommes des responsables et nous disons que Dieu pardonne celui qui a dit ça. Parce qu'ici, ce sont des grandes figures, vous voyez. Donc, je ne sais pas parmi nous qui vous pensez peut être corruptible. Il y a des anciens ministres des Affaires étrangères, des anciens présidents des cours suprêmes, des procureurs généraux, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens premiers ministres. Donc nous avons tout le monde ici. Il ne nous manque qu'un ancien président de la République. Puisque oui, maître Kamana, quand j'ai parlé d'ancien président, ancien ministre des Affaires étrangères, il ne nous manque qu'un ex-président de la République, puisqu'il n'y en a pas au Congo jusqu'à présent. Et nous voulons que les choses changent, que désormais, il y ait des ex-présidents qui vivent ici. C'est pourquoi les 19... Nous disons, décembre 2016, c'est la fin du mandat du président Kabila. Touche pas. Et comme ça, on aura au moins un ex-président de la République. N'est-ce pas, c'est bon? Merci. Okay. Merci.